praise of blandness, a treatise on efficacy, vital nourishment, the silent transformations on the universal, the uniform and the common, this strange idea of the beautiful and different philosophy of living. Julian peels off layer by layer our own cultural sediments in the most stimulating ways, no matter how hardened those sediments have become. François Julien is among the most translated of contemporary thinkers, with works appearing in over 25 countries. All these were accomplished while serving in a variety of anchor positions, and he's currently chair of authority at the Fondation Maison des Sciences de l'Homme in Paris, professor at Paris Diderot University and director of both Institute of Contemporary Thought and the Marcel Grenet Center. Before these current positions, he served as the head of Ante Française de Sinologie in Hong Kong and president of the French Association for Chinese Studies and director of the East Asia Department at Paris Diderot University. For his extraordinary accomplishments, Julien received the prestigious Hannah Arendt Prize for Political Thought in Germany in 2010, and the Grand Prix of Philosophy presented by the French Academy for his body of work in 2011. Today, with the title, There's No Such Thing as Cultural Identity, but We Shall Defend the Culture's Resources, François Julien will share with us his latest thoughts. There's really no better place for him to do this than Charlottesville, and we reflect how cultural identity has become, since August, a major issue for us. I think for this, I'm very excited about this opportunity, and I'm thrilled to present to you François Julien. Many thanks to Professor Schuchel for the invitation, and thanks for your presence here. So, I am thinking in French, politics in French, but I am professional here, sous le titre Il n'y a pas d'identité culturelle. C'est l'état provocatif. Il n'y a pas d'identité culturelle. Mais, nous défendons les ressources d'une culture. La revendication d'une identité culturelle tend à s'imposer aujourd'hui de par le monde, par retour du nationalisme et réaction à la mondialisation. L'identité culturelle serait un rempart contre l'uniformisation menaçant du dehors et contre les communautarismes qui pourraient éliminer du dedans. Mais alors, où placer le curseur entre la tolérance et l'assimilation, la défense d'une singularité et l'exigence universelle? Ce débat traverse notamment l'Europe, pris soudain de doute quant à l'idéal des Lumières. Il concerne, plus généralement, le rapport des cultures entre elles et ce que peut être leur avenir. Or, je crois qu'on se trompe ici de concept. Qu'il ne peut être question de différence, isolée de culture, mais d'écart. Alors, écart, en French, English is divide, écart, but not the same. So, écart. D'écart, maintenant en regard. Écart maintenant en regard, donc en tension, et promouvant entre eux du commun. Au travers des écarts, promouvant du commun. Ni non plus d'identité, puisque le propre de la culture est de muter et de se transformer, mais de fécondité. Non pas identité, mais fécondité. Donc,
donc non pas d'identité, mais de fécondité, puisque le problème de la culture est de muter, de se ressembler, ce qu'on appellerait des ressources. Si le terme ressource naît dans une langue, comme au sein d'une tradition, en un certain milieu, dans un paysage, elles sont ensuite disponibles à tous et n'appartiennent pas. Elles ne sont pas exclusives, comme le sont les valeurs. Elles ne se prônent pas, on ne les prêche pas, mais on les déploie ou on ne les déploie pas. On les active ou on les laisse tomber en déshérence, et de cela, chacun est responsable. Un tel déplacement conceptuel obligé en amont à redéfinir ces trois termes rivaux, l'universel, l'uniforme, le commun, pour les sortir de leur équivoque, comme il conduira, en aval, à repenser le dialogue des cultures, dia de l'écart et du cheminement, logos, du commun de l'intelligible, car c'est ce commun intelligible qui fait l'unité. Or, à se tromper de concept, on s'enlisera dans un faux débat, donc il avance et sans issue. First, universal, uniforme et commun. Pour entrer dans ce débat, il faut en préciser les termes, si l'on note pas toujours. Il en va d'abord ainsi de ces trois termes rivaux, l'universel, l'uniforme, le commun. Non seulement nous risquons de les confondre entre eux, mais il faut aussi employer chacun d'eux de l'équivoque qui l'empêche. Au sommet de ce triangle, l'universel lui-même en effet a deux sens qu'il faut distinguer. Sans quoi l'on ne comprend pas d'où vient son tranchant, ni quel est son enjeu pour la société. Un sens qu'on dira, deux sens. Un sens qu'on dira faible, puis constant, se limitant à l'expérience. Nous constatons pour autant que nous avons pu observer jusqu'ici, qu'il en est toujours ainsi. Ce sens est de généralité, ce sens faible est de généralité. Il n'est pas un problème et ne heurte pas. Mais l'universel possède également un sens fort, celui de l'universalité stricte ou rigoureuse. C'est d'elle que nous avons fait en Europe l'exigence de la pensée. Nous prétendons d'emblée, avant toute confirmation par l'expérience, et même en s'en dispensant, que telle chose doit être pensée. Non seulement la chose se trouve, elle, jusqu'à présent ainsi, mais elle ne peut être autrement. Cet universel est non plus seulement de généralité, mais bien de nécessité. Universel qui est non pas de fait, mais de droit, a priori. Non pas comparatif, mais absolu. Non pas tant extensif qu'à valeur d'impératif. Or, c'est sur cet universel au sens fort et rigoureux que les Grecs ont fondé la possibilité de la science. C'est à partir de lui que l'Europe classique, se transportant des mathématiques à la physique, notamment, a conçu les lois universelles de la nature avec le succès qu'on sait. Or, avec lui, la question se pose, divisant la modernité. Cet universel rigoureux, auquel la science a de sa puissance, est-elle qu'il applique sa nécessité logique au phénomène de la nature, ou des mathématiques à la physique, est-il aussi pertinent quant à la conduite? Est-il aussi pertinent dans le domaine éthique? Notre conduite est-elle soumise à la nécessité absolue d'impératifs moraux, catégoriques, au sens de Kant, à l'instar de la nécessité a priori, qui a fait le succès incontesté de la physique. Ou bien, ne faut-il pas revendiquer, dans un domaine à part de la morale, dans le retrait, le secret des valeurs intérieures, le droit de cette valeur à penser comme à l'opposé de l'universel, l'individuel ou le singulier, ainsi que Nietzsche, Kierkegaard, bon. La question se pose d'autant plus que, dans cette sphère des sujets, et plus généralement de la société, on voit que le terme universel ne sort guère de son équivoque. Quand nous parlons d'histoire universelle, ou d'exposition universelle, cet universel paraît bien de totalisation et de généralité, et non pas de nécessité. Mais en fait, de même, quand nous parlons de l'universel des droits de l'homme, et ne créditons pas alors ceci d'une nécessité de principe. Mais quelle est alors la légitimité
n'est-elle pas abusivement imposée? La question se pose d'autant plus aujourd'hui que nous avons fait depuis cette expérience majeure. C'est même là une expérience décisive de notre époque, savoir cette exigence de l'universalité, celle qui a porté la science européenne et que la morale classique a revendiquée, nous découvrons aujourd'hui, à la rencontre de nos autres cultures, qu'elle n'est rien moins qu'universelle, mais qu'elle est plutôt singulière, c'est-à-dire son contraire, étant propre, du moins porté à ce point de nécessité, à la seule histoire culturelle de l'Europe. Et d'abord, comment traduit-on universel quand on sort d'Europe? De là aussi, cette expression universelle est que nous avions confortablement rangée dans le créneau de nos assurances, au principe de nos évidences, redevient enfin saillante, qu'elle sorte à nos yeux de sa banalité, qu'elle apparaisse inventive, audacieuse et même aventureuse, voire qu'on les découvre de dehors de l'Europe, une fascinante étrange. La notion d'uniforme, nous avons, la notion d'uniforme également est équivoque. On pourrait croire, en effet, qu'elle est l'accomplissement et la réalisation de l'universel. Mais en fait, elle en est l'envers. Ou plutôt, je dirais qu'elle en est la perversion. Car l'uniforme relève non de la raison, comme universel, mais de la production. Il n'est que le standard et le stéréotype. Il procède non pas d'une nécessité, mais d'une commodité. L'uniforme ne se produit-il pas à meilleur marché. Tandis que l'universel est tourné vers l'un, universus, celui-ci constituant son terme idéal, uniforme n'est que la répétition de l'homme, formée à l'identique et n'est plus identique. Or, cette confusion est d'autant plus dangereuse aujourd'hui où, avec la mondialisation, nous voyons désormais les mêmes choses se reproduire et se diffuser partout dans le monde. Parce qu'on ne voit plus qu'elles saturent le paysage, sommes tentés de les critiquer de la légitimité de l'universel, c'est-à-dire de nécessité de principe, alors que cela ne relève en fait que d'une extension du marché, et que la justification en est uniquement économique. Ce n'est pas parce que, grâce aux moyens techniques et médiatiques, l'uniformité des modes de vie, des objets et des marchandises, mais aussi des discours et des opinions, tend désormais à recouvrir d'un bout à l'autre la planète, que ceux-ci sont pour autant universels. Se rencontrerait-il absolument partout, leur fait défaut un devoir être. Il devrait être en français. Si l'universel relève de la logique, que l'uniforme appartient à l'économie, le commun, troisième terme, le commun, quant à lui, est à dimension politique. Le commun, et ce qui se partage. Michel. C'est à partir de ce concept que les Grecs ont conçu la cité. Par différence avec l'uniforme, le commun n'est pas le semblable. Le commun n'est pas le semblable. Le commun n'est pas le semblable. Pas le semblable. Et cette distinction est d'autant plus importante aujourd'hui où, sous le règne d'uniformisation imposée par la mondialisation, sommes tentés de penser le commun par réduction au semblable, autrement dit par assimilation. Or, ce commun et semblable, c'est tenté que ce soit un commun, est pauvre. C'est pourquoi il faut promouvoir, au contraire, le commun qui n'est pas le semblable. Seul celui-ci est intensif, seul il est productif. C'est lui ici que je revendique. Parce que seul ce commun qui n'est pas le semblable est effectif. Comme le disait Braque, Braque le peintre, le commun est vrai, le semblable est faux. Le commun est vrai, le semblable est faux. Et illustrant par ces deux peintres, Trouvert et Corot. Trouvert ressemble à Corot, mais ils n'ont rien de commun.
En fait, il est le point crucial de nos jours, et ce, quelle que soit l'échelle du commun envisagé, de la cité, de la nation ou de l'humanité. C'est seulement si nous promouvons un commun qui n'est pas une réduction à uniforme que le commun de cette communauté sera actif, en donnant effectivement à partager. De l'autre côté de ce triangle théorique, le commun ne s'édicte pas, comme le fait l'universel. Mais pour une part, il est donné. Tel est le commun de ma famille, ma nation, nationnelle. Lui qui devient par la naissance. Pour autre part, il se décide et est proprement l'objet d'un choix. Tel est le commun d'un mouvement politique, d'une association ou d'un parti, fait de tout engagement collectif. Comme tel, ce commun du partage s'est distribué de façon progressive. J'ai du commun avec mes proches, avec ceux qui appartiennent au même pays, avec ceux qui parlent la même langue, mais également avec tous les hommes, voire avec tout le règne animal, et plus largement encore avec tout le vivant. L'écologie, désormais, c'est le plus vaste commun à le souci. Le partage du commun est en effet, en son passé, extensif. Mais ce commun, comme tel, est également équivoque. Également équivoque. Juste équivoque. Également équivoque. Car la limite qui définit l'intérieur d'un partage, la limite qui définit l'intérieur d'un partage, peut se retourner en son contraire. Elle peut se renverser en frontière qui exclut de ce commun tous les autres. Autrement dit, l'inclusif se révèle d'un coup à son envers exclusif. Se refermant dedans, il l'expulse au dehors, et tel est le commun, devenant intolérant du communautarisme. Deuxièmement, tout, au soubassement européen de l'universel, est-ce que l'universel est une notion périmée? Le concept universel, lui qui, en son sens fort, apporter la culture européenne à son développement, se trouve aujourd'hui en difficulté. Et cela se devant. Non seulement il se découvre en contradiction avec lui-même, dès lors qu'on mesure à la rencontre des autres cultures qu'il est le produit de l'histoire singulière de la pensée, mais de plus, l'histoire singulière qui procède en Europe ne possède pas en elle-même, quand on la considère dans son extension, le caractère de nécessité qu'il impliquerait à son passé. Dès lors, en effet, qu'on sort d'une perspective proprement philosophique et qu'on considère la relation de sa notion au sein du développement culturel plus général de ce qui viendra l'Europe, on se rend compte combien cet avènement de l'universel, relève d'une histoire composite, pour ne pas dire chaotique. À partir de plans divers, et qui même parfois s'opposent, et dont on peine à percevoir ce qu'ils articulent de l'intérieur. Article 3. 3. Celui philosophique grec du concept, celui juridique romain de la citoyenneté et celui religieux chrétien du sacre. Dans les éliminations. Quel rapport nécessaire les lie-t-il entre eux et cela forme-t-il même une histoire? Du moins faut-il en faire inventer l'archéologie. Archéologie, non pas histoire, archéologie, pour y sonder à partir de quelle strate un tel universel s'est constitué et décider si nous nous tenons encore. Car si nous ne commençons pas de tirer au clair ce passé, notre débat politique en restera indéfiniment en cours. Et même, il y aurait encore là un débat possible. Ça va? Pourquoi vous dites moi donc? Ça va? Pas trop vite? Un peu trop vite. Bon, alors, plus lent. Le départ, au moins, en est clair. Le premier plan d'avènement de l'universel en tant que concept est celui-là. C'est-à-dire que la promotion de la notion universelle en concept se confond avec la promotion même du concept comme outil de la philosophie.
Tout ça. Car les Grecs ont d'abord voulu dire le tout du monde. En un geste péremptoire, tellement hâtif, se saisir par l'esprit de ce tout. Le nommera-t-on l'eau, l'air ou l'illimité? Ne s'accordant pas sur ce tout, ni même sur le principe de ce tout, il faut alors convertir leur pensée à penser non plus ce tout qui échappait, mais sur le mode du tout, sur le mode du tout. Selon le tout, catholique, comme on dit catholique, catholique. Le mode du tout, d'où viendra catholique. Sur le mode du concept, autrement dit, de l'universel. L'histoire de la philosophie attribue d'ordinaire cette mutation à Socrate. On ne se demandera plus quelles sont les belles choses, mais qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau, tokenos. Qu'est-ce que le beau en soi, selon ce tout unitaire, abstrait divers, qui fait le beau dans son essence, et qu'on voit disperser dans tant de belles choses, si variées qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire en tant qu'universel ou que concept du beau. Dans la page en fait, c'est des techniques, Aristote conduit à citer l'individuel à sa société pour s'élever à cet universel abstrait constituant la connaissance. C'est sur lui que la science en Europe s'est fondée, car telle sera son exigence. Tandis que l'opinion commune envisage les choses sur le mode du contingent, c'est-à-dire de ce qui peut être autrement trouvé, la science envisage les choses sur le mode du nécessaire, donc de l'universel, c'est-à-dire de ce qui peut être autrement. Or, quelle en a été la conséquence ou quel destin s'y dessine? Si la science, pour son exigence, se distingue du régime causal de l'opinion, ce n'est donc pas en raison du caractère vrai de la certification, car il y a aussi des opinions vraies, il y a la cause du caractère de nécessité qui s'attache aux propositions de la science dès lors qu'elles accèdent à l'universalité. Cependant, en s'élevant à cet universel du concept, que n'a-t-elle pas irrémédiablement délaissé? Que n'a-t-elle pas irrémédiablement délaissé? N'y a-t-il pas là un non-branchement, où seule peut-être la pensée grecque, dans l'histoire humaine, s'est risquée? En s'attachant à l'universel, qu'avons-nous donc quitté? Left behind. Qu'avons-nous donc quitté? Est-ce seulement une apparente diversité, ou bien disons la diversité d'apparence, ou les plutôt l'individuel ou le singulier, lui qui fait l'expérience? Car s'il y a cet homme particulier qu'on soit, tel ou tel, chacun comme il est, remarquait déjà Aristote, et non pas l'homme en général. De là la perplexité dont est prise en retour la philosophie vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son entreprise d'abstraction vers l'universel, universel, ou de conceptualisation. N'a-t-elle pas abandonné la réalité effective, elle qui n'existerait qu'au singulier? Où il existe only in the singular. Or, sommes-nous aujourd'hui tant soit peu sortis de cette inquiétude? Ou selon l'adage qui vient d'Aristote, si la science porte sur les universels, des universalibus, avec ce que ce à propos de laisse entendre de distance par son surplomb, l'existence, quant à elle, est faite des individus. C'est la fin du pas. Existentia est singularium. Elle ne s'appréhende que
que dans cette unicité du singulier. Il en a résulté un divorce et peut-être un trauma pour la culture européenne, héritant de cette injonction d'avoir à penser selon l'universel. D'où lui vient par compensation la vocation à la littérature. Ça, la littérature. Face à la science et la philosophie, comme quête répondant à cette exigence, ça l'universel, la littérature récupère l'individuel qu'a laissé tomber l'universel. En évoquant une émotion, en racontant une vie, en même temps qu'elle récupère l'ambigu, lui qui est inhérent à la vie même et qu'elle fait tomber l'absolu enfanté par cette abstraction universelle. Vous me suivez? Ok. Slowly. Or, l'universel produit par Rome se développe sur un autre plan et est donc d'une autre nature. Son état est autre. Il est lié à l'esprit impliqué par la loi, telle qu'elle s'impose désormais à un silence ambigu. Comme Rome, en dépit de ses immenses conquêtes, ne s'est pas constitué en nation ou en état, mais s'est toujours conçu dans le cadre traditionnel de la cité, elle n'a pu qu'élargir progressivement son cadre particulier de citoyenneté jusqu'aux limites de son monde. L'importance historique de Rome, autrement dit, est ainsi d'avoir étendu le partage de sa propre citoyenneté, le commun, le partage de sa propre citoyenneté, jusqu'à rendre celle-ci commune à tout l'Empire. Ce qui s'est achevé avec l'édit de Caracalla en 211. L'édit de Caracalla. Réunissant sous la même lien légal, la ville, l'Ops, Rome, et le monde, l'Ops, l'Ops. Car la cité mondiale des stoïciens, Global City, car la cité mondiale des stoïciens restait un concept essentiellement moral, soutenu par la seule figure du sage et la fusion avec le cosmos, et n'avait guère d'incidence politique. À Rome, en revanche, la citoyenneté universelle, imita solidarsa, commence de devenir critique. Par le droit, l'universel sort de la philosophie, et de sa gaine logique pour définir une unité de statut et de condition. En même temps qu'on est citoyen de sa propre cité, on est citoyen de Rome. On possède une petite, mais aussi une grande patrie. Une patrie de nature, locale, géographique, et l'autre des citoyennetés, ce qui est romain n'étant plus un donné, ce que construit le lien juridique. Rome ne se contente plus d'être telle ville individuelle, mais s'érige ainsi par cette dimension universelle en seconde mère du monde, parens mundi altera. Dans les limites de son limès, Rome est un premier exemple, plutôt réussi, de mondialisation. Or, qui apporte ou qui fracture le christianisme? Oui, Charles. À l'encontre du règne de la légalité, que celle-ci soit civique ou religieuse, qu'elle soit romaine ou laïque, ce qui viendra le christianisme instaure un nouvel universel, non pas de la loi, mais de la foi. Notre flot, non pas en plein, comme dans le cadre de la civilité romaine, mais en creux, par l'évitement intérieur de tout ce qui n'est pas l'universel, de la grâce, de l'amour de Dieu. L'évitement intérieur en creux. Ceux-ci seuls peuvent emplir, donc la grâce et l'amour de Dieu, ce qui se promet ainsi en tant qu'intériorité du sujet, le combler et même en déborder. Car le christianisme ne présente pas seulement cette particularité notoire pour s'être diffusée dans une autre langue que celle paramien dans laquelle le Christ a prêché. L'évangile est écrit en grec, que le Christ ne parlait pas. Et qui de plus n'est pas n'importe quelle langue, mais celle de l'universel.
en se rend d'autant plus marquant le parallèle de la sagesse des Grecs et de la folie de la croix, Sophia Boreal. Ainsi que le renversement de celle-là par celle-ci. Mais l'importance des pommes, en tant que promoteur universel, et Paul en tant que promoteur universel, est également d'avoir épuré le message du christianisme, tant de l'anecdote du Christ que de sa dépendance à l'égard du milieu juif, aboutissant ainsi au retrait et à la neutralisation de tous les clivages, qu'ils soient de race, culture, de sexe ou de condition. Devise polynienne de cette abstraction, la grande phrase de Paul, les maisons. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni chat. Mais tous sont compris dans le même statut d'enfant de Dieu, ne faisant qu'un en Jésus-Christ. Voici donc que la foi dans le Christ, en changeant radicalement la condition de l'homme, arrache bien tous les hommes à toute leur différence et établit dans une égalité de principe, étant tous appelés à la même conversion intérieure au sein de leur itinéraire et de sa vie. Tout peut commencer de concevoir un universel des sujets. S'instaure ainsi l'universel au sens fort, rival de celui de la philosophie, qui est celui non plus du concept, mais de la croyance. Celle-ci l'emportant désormais sur tout, triomphant de tout, et Dieu étant plus le Dieu des uns que des autres. Or, non seulement cet universel est porté par la divinité et son dessein providentiel, il est aussi celui de l'événement annoncé, la résurrection du Christ, victoire sur la mort, et l'événement pur, absolu, délivré de toute anecdotique, mais non pas pour autant symbolique, et absorbant en lui tous les autres. Le message chrétien, tel que dans le temps de Dieu et l'école du salut, c'est censé valoir pour tout homme et pour toute éternité. Un peu long. Alors, je reprends. Merci. Scott, veille sur moi. Le message chrétien tel que dans le plan de Dieu et l'économie du salut est censé valoir pour tout homme et pour toute éternité. Et c'est ce qui est l'universel. Reste à devoir articuler la transcendance de cet universel, qui est aussi éternel de la vérité, avec l'individuel de l'histoire et son inscription temporelle. Ce qui se fait déjà par l'incarnation du Christ, étant conçu à la fois totalement homme et totalement Dieu, le Christ unique, réconcilie en lui ces deux opposés de l'universel et du singulier. Or, cette incarnation universelle dans le singulier sera transposée ensuite à l'Église, puis l'a essayé dans le grand homme, Hegel, enfin Napoléon et Prix d'un cheval, puis la Prusse, et les présente dans une classe, le prolétariat, porteuse de l'émancipation de l'humanité, chez Marx. Puis dans une culture, la civilisation occidentale, celle-ci devient porteuse des valeurs universelles. Okay. Cette prétention à l'universel, de la part de l'Occident, n'est évidemment plus tenable. En perdant son hégémonie, l'Occident perdait du même coup le crédit accordé à l'universaliste qu'il prétend incarner et que seule sa puissance imposait. À la rencontre des autres cultures, non seulement on est conduit à se demander si une telle aspiration universelle est bien elle-même universelle, mais aussi, avoir compris cette vision de la saïté relève d'être en divers, au moins ces trois, la fraction du concept, la citoyenneté, le salut. Si celle-ci, la vision de la saïté, n'est pas de compensation, ce n'est pas revendiqué pour neutraliser cette fracturation. Si ce n'est pas pour faire tenir ensemble des choses aussi hétérogènes et même contradictoires, la science, la loi, la foi, qu'il a fallu hisser l'universel en clé de vie
et faire de sa légitimité logique une exigence à tous égards universelle. Une culture plus intégrée, plus homogène que l'européenne, aurait-elle besoin de ce tenon de l'universalité? Il faudrait bien se poser rétrospectivement la question, s'engager dans une telle introspection, si l'on veut sérieusement concevoir un avenir en Europe, d'abord cette Europe. Et en est-il pour autant que l'exigence universelle, telle qu'elle s'est produite en Europe, soit pérenne? Que si elle s'est compromise dans l'histoire en tant que valeur occidentale, s'imposant aux autres cultures dans un rapport de force, elle ne soit plus désormais convaincue et ne puisse plus être invoquée. Ou ne faut-il pas prier en soleil historique de l'universel et redéfinir ce qui peut désormais en faire la religion? Une chose en tout cas est certaine, c'est qu'une forme universelle s'est invalidée, celle de totalisation ou de complétude. Quand on croit avoir atteint l'universel, c'est qu'on ne sait pas ce qui manque à cette universalité. C'est-à-dire, quand on croit avoir atteint l'universel, c'est qu'on ne sait pas ce qui manque à cette universalité. Colette Bataille, dans le grand rétable de Gand, peignent les foules du monde entier convergeant vers l'autel de Dieu mystique, tandis que trône au-dessus un Dieu qui paraît à la fois le Père, Père et Fils, et qu'on aperçoit l'arrière-plan des murailles qu'on peut croire aussi bien du Jérusalem ou de Gand, voilà qu'il peint un universel pérenne. Non pas seulement en vertu du message apocalyptique exprimé, mais par cet universel panoramique, cet universel panoramique. C'est-à-dire cette panoramique n'a pas l'idée de ce qui fait défaut à sa totalité. Parce qu'il se considère acquis, définitivement advenu, et ne se soucie plus de ce qui peut lui manquer. Parce qu'il se repose, dans sa positivité et ne donne plus à progresser. Il n'est plus promoteur, mais satisfait. Ainsi a-t-on parlé pendant plus d'un siècle de suffrage universel pour songer que les femmes en restaient écartées. L'universel, autrement dit, est à concevoir à l'encontre de l'universalisme. C'est ça qui est important, à l'encontre de l'universalisme. Celui-ci imposant son hégémonie et croyant posséder l'universalité. L'universel pour lequel il faut militer est, à l'inverse, un universel rebelle. Et jamais satisfait. Qui n'est jamais comblé. Ou disons, un universel négatif défaisant le confort de toute positivité arrêtée. C'est important, et faisant le confort de tout. Non pas totalisateur, saturant, mais au contraire, rouvrant du manque dans toute totalité achevée. Universel qu'on pourra nommer régulateur. Au sens de l'équantiel, mais c'est le sens de Kant, qui, parce qu'il n'est jamais satisfait, ne cesse de repousser l'horizon et donne indéfiniment à chercher. Bien, parce qu'il n'est pas satisfait, ne cesse de repousser l'horizon et donne indéfiniment à chercher. Or, cet universel est précieux sur un plan non seulement théorique, mais aussi politique. C'est lui notamment qu'il faut revendiquer pour le déploiement du commun. Car c'est ce souci universel, promouvant ce qu'il a d'idéal, en idéal jamais atteint, qui appelle le commun à ne pas sitôt se borner. Note tout.
passe tout ce temps. Certains du commun reste ouvert. J'ai le commun open. Qui ne se renverse pas en frontières, ne se retourne pas dans son contraire. La fusion vient comme éclat. Je vais passer le paragraphe suivant, c'est-à-dire je vais passer le paragraphe suivant, un peu long. Je vais prendre seulement dès le paragraphe du chapitre. Ici. Cela signifie donc que l'universel ne se rencontre pas dans lui. En tout cas, on n'en est pas assuré. Qu'il n'est pas donné, il n'est pas ce vol oreillé sur lequel notre texte. Non, c'est-à-dire, ah, le et, voilà. Et c'est notre qui est. L'universel n'est pas donné. Notre qui est donné. Notre soft pillow, mal oreillé. Soft pillow. On which lay is. N'est donc pas le mal oreillé sur lequel on puisse reposer notre tête. Rien ne dit que la liberté des langues et des cultures puisse venir se ranger aux catégories universelles que le savoir européen au Conseil d'histoire a élaboré. En revanche, s'il est projeté comme horizon, devant nous, comme horizon qui n'est jamais atteint, comme idéal jamais satisfait, universel donne à chercher. Qu'il soit posé comme une exigence porterait les cultures à ne pas se replier sur leurs différences, à ne pas se complaire dans ce qui serait leur essence, mais à rester tourné, tendu vers les autres cultures, les autres langues, les autres pensées. À ne cesser aussi, par conséquent, de se retravailler en fonction des exigences, donc aussi de lutter, autrement dit, de rester vivant. Je vais sauter aussi le passage. Non, je ne vais pas sauter ça, mais je vais aller plus vite. La différence ou l'écart, alors, divide, écart, identité ou fécondité. Non, c'est écart, c'est pas gap. C'est pas gap, c'est pas divide, c'est écart. Et Jean Mendel, tiens-tu, Jean. Tiens, écart. La différence de l'écart est l'identité de l'écart. La question se pose donc ainsi. En regard de l'universel, maintenant ouvert le commun, au lieu que celui-ci soit tenté de se replier en communautarisme, dans quel terme pensons-nous ce qui est son contraire, le singulier des cultures, le singulier des cultures, à la fois des langues et des pensées? Comment articuler l'un avec l'autre? Comment aborder la diversité culturelle dès lors que nous ne laissons pas s'effacer sous la standardisation de l'uniforme et que nous sauvons le commun de sa confusion avec le semblable? On en traite d'ordinaire en termes de différence et d'identité. Dans un vieux couple hérité de la philosophie et dont on vérifie depuis les Grecs combien il est opérant dans l'ordre de la connaissance. Mais convient-il en se débarrasser? Mais faut-il rendre compte du divers des cultures en termes différentiels et selon des traits spécifiques tenus pour caractéristiques, nous découlerait l'identité de chaque culture assez distinguée? Je crains, je l'ai dit, qu'on nous trompe là le concept. Et que ces concepts n'étant pas adéquats, le débat ne puisse déboucher. Autant dire que je crois qu'un débat portant sur l'identité culturelle est vicié dans son principe. C'est pourquoi je propose un déplacement conceptuel. En place de la différence invoquée, je proposerai d'aborder le divers des cultures en termes d'écart. Écart, divide, écart. En place d'identité en termes de ressources et de fécondité. Il s'agit
n'est pas là de raffinement sémantique, mais d'un point de vue divergent, disons déjà un écart, qui permet de reconfigurer le monde, de le sortir de son ombrière et de le réengager de façon qui soit plus assurée. Alors, la question, donc, quelle différence, établir entre l'écart et la différence? Écart et la différence. Si je veux commencer par identifier l'un et l'autre, on dit la connaissance. Les deux marquent une séparation. Mais la différence le fait sous l'angle de la distinction. L'écart celui de la distance. Distinction ou distance. De là que la différence est classificatrice, l'analyse opérant par ressemblance et différence, en même temps qu'elle est identificatrice. C'est en procédant de différence en différence, comme le dit Aristote, qu'on parvient jusqu'à l'ultidifférence, livrant l'essence de la chose, qu'énonce sa définition. Face à quoi ? Face à quoi l'écart serait une figure non pas d'identification, mais d'exploration. Faisant émerger un autre possible. Parce que l'écart n'est pas une fonction, de classification, restant des typologies, comme le fait la différence, mais consiste précisément à en déborder. Il produit non pas un rangement, mais un dérangement. On dit communément faire un écart. Jusqu'où va l'écart? C'est-à-dire sortir de la norme et de l'ordinaire. Tels sont déjà des écarts de langue ou de conduite. Ainsi, l'écart se pose-t-il à l'attendu, au prévisible, au convenu. Tandis que la différence est rendue la description et pour cela procède par détermination, distinction et analyse des essences que le premier des Grecs, l'écart engage une prospection, non pas détermination, mais prospection. Il envisage une sonde jusqu'où d'autres voies peuvent être effrayées. Cette idée est aventureuse. L'écart est aventureux. C'est là précisément comment faire un écart opérant. C'est ça. La différence entre en qu'elle procède par distinction, sépare l'espèce avec les autres, établit par comparaison ce qui fait sa spécificité. À la fois, elle suppose un genre prochain, celui duquel se marque la différence, et elle aboutit à la détermination d'une identité. Or, cela sera-t-il pertinent pour approcher le divers des cultures? D'accord. C'est ça. Je vais passer. Avec l'écart, les deux séparés sont tournés l'un vers l'autre. L'important, c'est que la différence exclut l'autre, l'écart garde l'autre en regard. Voilà. Mais ça, on dit clairement, parce que c'est essentiel, c'est ça. La différence laisse tomber l'autre. Alors que l'écart maintient l'autre en regard.
Dans l'écart à l'inverse, les deux termes, ça, séparés restent en regard. Vous écartez et deux restent en regard. They remain in view of one another. Mais, ça, précisément, j'ai résumé. Quand on fait une différence, une fois que la différence est faite, une fois que la distinction est faite, vous laissez tomber l'autre terme et vous gardez que le terme défini. Alors, dans la différence laisse tomber l'autre, laisse l'autre de côté. Alors que dans l'écart, les deux se maintiennent en regard. C'est pour ça que c'est dans l'écart, dans l'angle ouvert par écart, que je verrai la promotion du commun. So it is because of this that I see the promotion of the of community or common space in the ECAR. Of the common. Of the common, yeah. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc dans l'écart, à l'inverse, les deux termes séparés restent en regard, et c'est en quoi l'écart est précieux à penser. La distance apparue entre eux maintient en tension ce qui s'y trouve séparé. Maintient en tension. Mais que signifie maintenir en tension? Si dans la différence, une fois que la mise en rapport opérée par la comparaison à l'autre, chacun des deux termes se retourne placidement de son côté, se refermant sur sa spécificité, voici que dans l'écart, en revanche, par la distance apparue, chacun des deux termes demeure en confrontation avec l'autre. D'accord? Ok? Il reste ouvert à lui, tendu par lui, et le savoir à s'appréhender dans ce vis-à-vis. Ce vis-à-vis ne se défait pas. Cet en-regard, reste à l'œuvre, à vif. Il demeure intensif. C'est la différence entre tendus. Chacun des deux termes comparés, ayant laissé la reposition de sa défaillance, n'a plus qu'à se replier sur celle-ci, appréhender dans sa pureté. Voici que dans l'écart, en revanche, les deux termes écartés restent en tension l'un par l'autre. Ce pas demeurant actif, ne cessant d'avoir à se mesurer à l'autre, d'être comme pendu à lui, ne cesse de se découvrir à la fois l'autre, de cette peur qu'elle soit fichable à l'homme. Chacun reste dépendant de l'autre pour se connaître et ne peut se replier sur ce qui serait son identité. D'accord? L'écart, par la distance ouverte entre l'un et l'autre, va apparaître de l'angle. De l'angle, par conséquent, cet angle est actif. Je réalise ça parce que c'est essentiel. L'écart, en s'ouvrant, par la distance ouverte entre l'un et l'autre, va apparaître de l'angle. Enfin, l'écart fait apparaître de l'angle, between, the interspace, de l'angle. Et cet angle est actif. À la tension d'écart. Dans la différence, chacun se retourne de son côté, s'étant séparé de l'autre pour lui dire l'identité, il n'y a pas d'entre dans la différence. Dans la différence, il n'y a pas d'entre. Il n'y a pas d'entre qui s'ouvre entre eux et plus rien ne se passe. Oui, dans la différence, plus rien ne se passe. Donc la différence est faite. Nothing for the happens. Rien dans la différence. C'est fait. Mais dans l'écart, en revanche, c'est grâce à l'antre ouvert à la distance apparue que chacun, au lieu de se replier sur soi-même, de se reposer en soi, reste tourné vers l'autre, mis en tension par lui, en quoi l'écart est à vocation éthique et politique. Vous voyez ça? En quoi l'écart est à vocation éthique et politique. Dans cet angle ouvert entre les deux, se déploie une intensité qui les déborde l'un par l'autre et les fait travailler. On perçoit déjà que le rapport des cultures entre elles pourrait gagner. Il est vrai que nous ne savons pas penser l'antre. Nous ne savons pas penser l'antre. Inter, between, interspace. Car l'antre n'est pas de l'être. Alors, c'est plus facile en français qu'en anglais. L'antre n'est pas de l'être. C'est pourquoi sa pensée doit si longtemps échapper. Parce que déjà qu'on pensait l'être dans les termes de l'être, c'est-à-dire en termes de détermination de propriété, avait par conséquent horreur de l'indéterminé,
qui n'ont pas pu penser l'homme, qui n'est ni l'un ni l'autre, et où chacun est débordé par son autre, dépossède de son en soi et sa propriété. Ça, c'est pour demain, pour l'ontologie. Ce pourquoi, ne sachant pas penser l'homme, métaxu, ils ont pensé l'au-delà, méta, le méta de la métaphysique. Car l'homme, between, qui n'est ni l'un ni l'autre, n'a pas en soi, n'a pas d'essence, n'a rien en propre. À proprement parler, l'homme n'est pas. L'interface is not, is, to be, is not. Mais il n'est pas neutre, pour autant, autrement dit, inopérant. C'est, car c'est dans l'antre, cet antre ouvert par écart, et qu'il ne se laisse pas résorber, que quelque chose effectivement passe, se passe, qui déclare l'appartenance à la propriété, celle combattue par différence, et que ce n'est donc une autre. Vous voyez cela? Je relis, n'est-ce pas? Cet antre ouvert par écart, qui se laisse. Que quelque chose effectivement passe, se passe, qui déclôt l'appartenance à la propriété, celle combattue par différence, et que se défait donc identité. Il faudra donc, par conséquent, sortir de la pensée de l'être, de l'ontologie, pour commencer le penser. Je cite les peintres modernes. Ce que les peintres ont fait avant les philosophes, Braque encore, que je cite tout à l'heure, Fred Painter, ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Ce qui est entre la pomme et la sève se passe. Ah, ouais, ouais. Je vais passer la fin du chapitre et je vais parler plus vite. 5, 4, il n'y a pas d'identité culturelle. Car comment caractériserait-on la culture française? En fixerait-on l'identité? Ou bien
bien de Rimbaud, La Fontaine ou Rimbaud? Soit figure de René Descartes ou d'André Breton. La culture française n'est pas plus l'une, pas plus l'un que l'autre, mais elle est bien sûr dans l'écart des deux, dans l'écart de La Fontaine et de Rimbaud, de Descartes et de Breton. Dans la tension des deux, ou disons dans l'angle qui s'ouvre entre eux, dans l'angle qui s'ouvre entre eux. C'est cet angle ouvert entre eux, démesuré, vertigineux, mais tel qu'il s'est de fait configuré, qui fait la richesse de la culture française, ou nous dirons sa ressource. Sa ressource. Or, il faut envisager le coup qu'il y a à se tromper ainsi. Il faut mesurer ce qu'abordait la liberté des cultures en termes de différence et d'identité qui comportait en soi politiquement de dangereux. Combien cela peut être coûteux, non seulement pour la pensée, mais dans l'histoire. Un livre comme Le Clash, si vous connaissez tous, de Huntington, est mémorable à cet égard. Certes, c'est d'avoir décrit ce que seraient les principales cultures du monde, la chinoise, l'islamique, l'occidentale, en termes de différence et donc d'identité, d'en avoir établi des traits caractéristiques par-dessus les avoir mises en tableau et rangées en typologie, qui, commode comme cela a été, n'a pas manqué de faire le succès. Car bien sûr, cela ne dérangeait rien. N'ouvrait aucun écart par rapport au contenu. Ne défaisait rien des clichés, des préjugés auxquels on se plaît à réduire les cultures pour ne plus s'en embarrasser. Auxquels on réduit les cultures pour ne plus s'en embarrasser. À ne pas reconnaître l'hétérogène propre à toute culture, son hétérotopie interne autrement dit, mais que justement la déploie à l'intérieur par écart et l'intensifie. À la fois on suit la facilité propre au tassement et l'on se rassure. Mais y a-t-il ainsi un noyau dur, pur, d'une culture? Non seulement, ce faisant, Huntington ne s'est servi d'intéressant de ces cultures, les réduisant à des banalités, mais les isolant les unes des autres, les murant dans ce qui serait leur spécificité respective, leur différence plus marquée, les repliant sur leur identité. Il n'est pas plus qu'à déplier, par conséquent, à un heurt entre elles, comme l'a dit un clash. Nous défendons les ressources d'une culture. Nous voulons s'arrêter d'abord sur le cueillette consubstantiel à ce concept de ressources. Il n'y a pas une identité culturelle française ou européenne, mais des ressources françaises, européennes ou d'autres cultures. Une identité se définit, des ressources s'inventorient. Une identité se définit, s'inventorie. Elle s'explore et elle s'exploite, ce que j'appelle active. Ainsi, l'exigence universelle est un bien de ressources, même si sa pensée, savons nous, non pas universelle, mais singulière. Cela, on le voit, c'est un intérêt de la je pense ça. Sa capacité à promouvoir est définitivement le commun dans l'histoire et à les maintenir ouverts, tant qu'elle est toujours de se refermer et de s'endurer. Le propre de la ressource, en effet, est sa capacité de promotion. Le propre de la ressource est de promotion. Il faudra donc repenser le rapport du sujet à la culture, dès lors que celle-ci n'est pas posée comme sa culture. Ou plutôt dès lors que la teneur de ce possessif d'appropriation, d'apprentissage, mais non pas de possession, excluant du partage. Car ce qui a soutenablement mais indûment prêté une assise à l'identité, à l'identité culturelle, tient, je crois, à cette équivoque. À ce qu'on est porté à confondre cette identité culturelle abusivement postulée avec le principe psychologique d'identification. N'est-ce pas sur un tel amalgame qu'à la postérité. Or, l'identité est justifiée en tant que singulière et que subjective, mais non pas en tant qu'elle serait collective.
objective et objectif. L'identité est justifiée en tant que singulière et subjective, identité de sujet, mais non pas en tant qu'elle serait collective et objective, comme ça l'est la culture, là qu'il y a eu. Je vais peut-être placer cela, et c'est là le chapitre suivant. Je vais prendre le dialogue. Le dialogue. Non. Dialogue. Je vais dans le dialogue. On a imaginé bien des façons le fameux dialogue. On a remis notamment de synthèse les cultures s'accordant et se complétant en un ensemble unifié. Serait-elle, vivant en tant heureux que les divergences s'effaceraient, où le commun l'emporterait sur le divers en l'absence. On approche complètement l'image entre l'Orient et l'Occident, érigeant en pôle l'espérance humaine, East et West, le grand mariage symbolique. Ces cultures ne se réalisaient chacune sur son versant et au sommet s'accorderaient. Mais dans quelle langue, en recourant à quel outil à la fois notionnel et syntaxique, s'opérera cet accouplement? Ce ne sera pas au sein des catégories occidentales désormais mondialisées et réduites en le riche. Les diverses cultures extérieures à l'Occident n'en seront plus que des variations exotiques. La nouvelle culture mondialisée aura beau, en effet, se présenter en parlement du monde, celui-ci promettant lui-même d'être représentatif en incluant démocratiquement tous les courants de l'air, on n'en aura pas remis en question pour autant le cadre culturel implicite. Illusoirement universel. Illusoirement universel, puisque le précédent que d'une uniformisation camouflée, dans lequel se ferait sera simplement. Et comme toutes les bonnes synthèses, celle-ci, en réservant les tensions, en estompant les écarts, sera terriblement ennuyeuse. Surtout le commun en sera factice. Il n'a pas de travail et le divers pour se promouvoir en commun. Pour votre plaisir. Ou bien sinon, pour mettre en valeur un commun qui serait authentique parce qu'originaire, on s'enquerra de ce qui serait un dénominateur commun entre les cultures. Le parti inverse de la synthèse et l'analyse. On décomposera en éléments premiers tous les divers des cultures pour discerner ce qui s'y recouperait. À défaut de s'y présenter comme un noyau dur qui serait identique, ce commun pourrait s'y référer au moins comme un rapport comparable entre les termes, une forme analogue d'interaction et de domination. Dans le désir de compliquer l'éthique globale, désormais planétaire, l'UNESCO a beaucoup travaillé durant les années décennies du XXe siècle, à cette identification de points d'entente. On a dit ainsi, à titre d'élément minimal, mais qui serait inévitable, que toutes les conceptions morales et toutes les traditions religieuses par le monde préconiseraient la paix. Bien sûr, parce qu'il est tout seul. Car qui ne souhaiterait pas la paix? Mais Héraclite. N'ont-ils pas revendiqué explicitement la guerre pour mettre en valeur la fonction, y compris l'éthique du négatif? Non seulement toute réduction du divers des cultures à quelque élément minimal qui serait d'emblée commun nous rabat dans la banalité des truismes, mais même ces truismes ne sont pas trop, ne sont pas vrais. Une logique plus significative leur a échappé. Si la complémentarité des cultures court toujours le risque d'être seulement le produit d'une assimilation préalable, mais demeurant insoupçonnée, les recoupements entre cultures risquent à eux d'être superficiels, car rapportent chaque culture le plus singulier. D'un côté comme de l'autre, par résorption arbitraire de l'écart, les cultures ont perdu leurs ressources inventives.
Je passe par la suivante. C'est-à-dire, je passe par la suivante. Je reprends la dialogue. Oui, plus haut. Oui, plus haut encore. Voilà. Donc, je dis comment je comprends le dialogue. Dialogue, après le livre, est lui-même historiquement entaché de suspicion. D'abord, c'est parce que l'Occident a perdu sa puissance qu'il s'est mis à dialoguer avec les autres cultures. Auparavant, fort non seulement de ses valeurs universelles, et plus encore de sa formalisation logique, il ne dialoguait pas. Il imposait aux autres cultures son universalisme, autrement dit, il est colonisé par sa rationalité triomphante. Dialogue lui-même ne serait-il pas d'ailleurs un terme lénifiant, servant à dissimuler les rapports de force, qui ne cessent de s'exercer entre les cultures, comme aussi à l'intérieur même de chaque langue et de chaque culture. Les cohérences qui prévalent couvrant les autres et enfouissant. Dialogue ne présente-t-il pas un faux hygiénisme? Ne se parait-il pas d'un faux égalitarisme? Et d'abord, dans quelle langue, la question revient, se fera ce dialogue? Si c'est dans une même langue, par exemple l'anglais mondialisé ou le globish, le dialogue d'avant s'est aisé. La rencontre des cultures se faisant sur le terrain des mêmes langues, c'est-à-dire dans ses formes de syntaxe et ses catégories, les autres langues et les autres cultures ne pourront plus que faire entendre secondairement leurs différences à partir de ce commun impliqué, censé faciliter la communication. Cela suit souvent, réellement, une revendication identitaire d'autant plus virulente quelle est la seule riposte qui reste face à cette uniformisation préalablement imposée. Mais, à défaut de dialogue, sait-on bien, c'est le choc ou le clash. Pourra-t-on sortir de cette alternative? Ou bien, si dialogue paraît un pis-aller pour tenter d'échapper à la violence ouverte, comment lui donner une consistance qui lui confère sa dignité et établisse en vocation. It has vocation. Si dialogue est un terme mou, soit donc le pourvoir d'un sens fort. Et le mieux sera, une fois encore, de puiser à même la langue et d'en sonder la ressource. Dialogue. Dia, en grec, dit à la fois l'écart et la traverse. Dia. Il y a l'écart et la traversée. Un dialogue. Et l'autre plus fécond, ça veut déjà les Grecs, qu'il y a d'écart en jeu. Tel c'est plus un dialogue entre Socrate et Caliphès. Sinon, on dit plus ou moins la même chose, le dialogue tourne au monologue à deux, et l'esprit n'y progressera pas. Média dit également le chemin franchissant un espace, celui-ci même pouvant offrir une résistance. Un dialogue n'est pas immédiat et prend du temps. Un dialogue est un cheminement. C'est progressivement, patiemment, que des positions respectives, écartées et distantes comme elles sont, se découvrent l'une à l'autre, se réfléchissent l'une par l'autre, et élaborent lentement les conditions de possibilité d'une rencontre effective. Il faut du roman. Face à quoi logos, dialogue, logos, dit le commun de l'intelligible. Logos, commun de l'intelligible. Celui-ci étant paradoxalement de ce dialogue, à la fois la condition et la vie. C'est-à-dire que, au travers même des écarts, s'engendre un commun tel que chaque langue et chaque pensée, chaque position, se laissant déborder par l'autre, une intelligence mutuelle peut émerger dans ces temps devenus actifs. Je relis ça. C'est-à-dire que, au travers même des écarts, s'engendre un commun tel que chaque langue et chaque pensée, chaque position, se laissant
débordée par l'autre, une intelligence mutuelle, logos, peut émerger dans cet entre devenu actif. Et ce même si elle est déjà complètement réalisée. Ce que dit ce potentiel de l'intelligible. Commun qu'il n'y ait pas de résorption des écarts, ni d'assimilation forcée, mais qui, par cette tension interne aux écarts donnant à travailler, est produit. Je dis ça, donc ça, écart, donc commun qui n'est pas de résorption des écarts, ni d'assimilation forcée, mais qui, par cette tension interne aux écarts donnant à travailler, est produit. Non pas imposé ou tenu d'emblée pour donner, mais promu. Promu, je vais dire juste. Je vais prendre juste les deux paragraphes. Je saute une. Je reprends à l'intelligence, en effet. L'intelligence, c'est le seul. Encore. Encore. L'intelligence, en effet, telle que la déjà la liberté des langues et des pensées, n'est pas un entendement fini, arrêté. Non, c'est pas ça. Ah, oui, là. N'est pas un entendement fini, arrêté, tel que était l'entendement qu'un seul catégorie. Mais plus elle est appelée à traverser l'intelligibilité diverse, comme dans le dialogue des cultures, plus elle est appelée à se promouvoir. Plus elle devient intelligente. C'est même là une chance de notre époque, à l'encontre des formulations mondiales, que de pouvoir, par découverte d'autres langues et d'autres cultures, trouver à d'autres cohérences et par suite à d'autres modes d'intelligibilité. Et je prends par exemple suivant. Aussi, je ne vois pas le sujet. Oui, je prends la carte blanche. Oui. Ce commun intelligible est le commun humain. Si les hommes ne se comprennent peut-être jamais totalement, ni non plus entre cultures, mais néanmoins à poser en principe, comme nécessaire a priori, transcendantal des humains, qu'ils peuvent se comprendre. Et c'est seulement cette possibilité de comprendre ce divers de l'humain qu'on va travailler dans ce sujet. J'en prends maintenant. Aussi, je ne vois pas le sujet à venir comme ce qui pourrait être une figure encore inconnue, encore à naître du sujet, à attendre d'une autre révélation ou d'une nouvelle vérité. Car dans notre monde désormais fini, et cela plus repousse les limites de cette déclaration, d'où viendrait cette espérance d'un ailleurs. Mais je vois un tel sujet à venir. Comme un sujet qui n'est plus un théorique, prisonnier d'une vérité particulière, vérité vocale, sinon sans façon dogmatique, et comme telle exclusive, et non plus déterritorialisée, à l'inverse, coupé qu'il serait alors de le vocal, focal et du singulier, d'une langue et d'un paysage. Mais je le vois comme un sujet agile, ou disons alerte, le contraire d'inerte. C'est-à-dire circulant à partir d'une langue et d'un certain milieu, parmi d'autres langues et d'autres milieux, et puisant aux ressources des uns et des autres. Ni mélangeant, confondant le divers des cultures et des formes d'intelligence, ni non plus ce qui revient au même, le réduisant à une version consensuelle et déclarée du tolérant. Puisqu'une forme culturelle est significative parce qu'elle produit d'écart et de singulier et par conséquent d'inventif. Je croyais cela, ni mélangeant, confondant le divers des cultures et des formes d'intelligence, ni non plus, ce qu'elle vient tout de même, le réduisant à une version consensuelle et déclarée plus tolérante. Puisqu'une forme culturelle est significative parce qu'elle produit d'écart et de singulier et par conséquent d'inventif. Mais il aura fait sortir le divers des pensées de leur exclusivité initiale. Pour les faire contribuer à un commun d'intelligence, en quoi consiste effectivement le dialogue. Maintenant,
maintenant que dans un monde fini d'être mondialisé, il n'y a plus d'au-delà à rêver. De là-bas lointain du voyage, c'est bien dans l'antre, en effet, que se découvre désormais la ressource. Je reprends. Maintenant que dans un monde fini d'être mondialisé, il n'y a plus d'au-delà à rêver, de là-bas lointain du voyage, c'est bien dans l'antre, en effet, que se découvre désormais la ressource. Si le terme d'interculturel a un sens, c'est de déployer cette entre et cet entretien pour la nouvelle dimension du monde et de la culture. Ainsi seront déjoués à la fois l'un et l'autre la fausse universalité, paresseuse de l'uniforme, et le fantasme corrélatif, sectaire et identité. Si exister, c'est résister, bien d'abord en se tenant hors, comme dit le terme existerait, le latin, hors du subi, le voyage chef du subi de l'histoire. Et si chaque époque connaît ainsi sa forme de résistance, posons que la nôtre soit celle-là, de résister de près, pied à pied, à ces deux menaces qui vont de pair, de l'uniformisation et de l'identité. Résister donc à deux menaces qui vont de pair, d'une part l'uniformisation, d'autre part de l'identitaire, et d'inaugurer, s'appuyant sur la puissance inventive de l'écart, un commun intensif. Merci de votre attention. Dialogue culturel. And this is how I understand the idea of cultural dialogue. L'essentiel, c'est que
dialogue, si je le prends dans son sens littéral. If I take the sense of the term dialogue in its literal sense. Dia en grec signifie l'écart et le chemin. So dia explains the écart, the difference, or les Grecs ont bien conscience que plus l'écart est grand entre deux personnes qui discutent ensemble, plus le dialogue est intéressant. The more the Greeks understood that the larger the écart between two people, the more interesting the dialogue. Plus l'écart est grand, plus intéressant. Et en même temps, logos signifie quoi? Le commun de l'intelligence. What does logos what does logos mean? It is the common the common place of what is intelligible. Je vais distinguer par dialogue, parce que la traduction en chinois, c'est Duihuo. Mais dans Duihuo, il y a l'idée d'écart, l'idée d'intelligible. So the translation of dialogue in Chinese is Duihuo. Mais vous voyez, le sens est totalement perdu. But the sense is completely lost. Et il a perdu le sens d'écart. Lost the sense of the écart. Et le sens d'intelligible. Sense of the logos, of the intelligible. Donc, si vous voulez, pour résumer la position, je vois en fait le divers des cultures comme nous portons aujourd'hui à explorer les écarts des cultures. So I would like to present to you today to explore these écarts of culture. Comme autant de possibles divers de l'humanité, comme autant de possibles divers. As diverse possibilities of humanity. Donc, comme autant de ressources. Comme autant de ressources. As many resources. Oui, l'important pour moi c'est que l'identité se définit. Je ne pense pas qu'on puisse définir une culture. He says that identity has been defined, but I don't think we can define culture. Fantastic tonight. One question, quite quickly. How does Chinese, because when you speak about the logos, you're using it very differently. Than, you know, as the intelligible rather than as the standard Greek logos. Right? How does your understanding of Chinese thought extend this notion of logos? Je pense que la notion de logos est grecque. Of course, but you're using a very different notion of logos. Yeah, you should use the logos. As the intelligible that all of us, that Greeks, Chinese, all sorts share. And what I want to know is how does your thinking through Chinese culture and thought extend this notion of the intelligible? C'est pour ça que je reste grec. Parce que je pense que la notion de logos, elle est grecque et elle est propre de la philosophie. Extend the notion of the intelligibility.
which I think it does. De savoir s'il y a un équivalent au logos du côté chinois, c'est ça? Is your question asking is there an equivalent to logos in Chinese? No, but it's more than that. You're trying to scratch us outside of and beyond our own green roots. And the way you're doing this is with an extended notion of intelligibility. That's common to all of you. And I'm trying to think how Chinese thought, which I think it does, extends us and stretches. Stunning, great proposal. I told you about that. I think it why don't we do that tomorrow morning at the film? We have a good sleep, good night's sleep, minds are fresh, and taking all this in us, and we come back together. You're all invited. At the Dome Room, 9:30, and we'll begin again. How about that?